léger. Nous sommes venus vraiment à Mbekté pour rire. Mais de nous, Bachiyonbi, notre fierté et notre bonheur s'est décuplé parce que nous avons appris en cours de route que notre candidat Ousmane Sonko s'est vu finalement octroyer le droit de retirer ses fiches de parrainage. Donc, ce qui est pour nous une immense satisfaction, ça veut dire que la campagne va également pouvoir démarrer pour le PASTEF et nous allons cheminer à vos côtés pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire débouter ce pouvoir qui est fini. Nous allons nous battre et l'opposition sénégalaise, Inch'Allah, sera victorieuse. Donc, avant Meynio, voilà, on m'avait dit de poser les problèmes des étudiants. Mais pourquoi poser les problèmes des étudiants? D'autant plus que le Parti Pur est en train de mener des activités sociales auprès des étudiants. Entre relation gouvernement Sénégal, l'État du Sénégal, la diaspora, la famille Bori unité dans le Bordeaux. Bordeaux, parti au pouvoir pour cette année. On va laisser à une sanction. Sénégal, ce permis de conduire, tu vas plus pour le changer la vie. Si c'est fort, très lourd de l'État, fort d'étape au Sénégal et comme de la vie. Quand est remboursé, État du Sénégal. C'est vrai, du moment, État du Sénégal, chaque ministre est en banque. Ministre pour les banquiers du Sénégal. Covid bio. Le Sénégal, donc vous mettez le Sénégal pour dire de quoi des fois il faut avoir une jaïjaï. Surtout si voilà l'élection est idiote. Malélinia en gagne yoko affaire du tout. Bon, pareil, surprise vitamine, vous l'avez yoko def. Parce que vous l'avez fallu. L'immouvité qu'on lit, vous l'avez yoko, c'est la réalité. L'homme là, gagne diable les nuits. Je le dis. Assalamu alaikum, je suis venu à Didalal Sungani. Je vais vous dire ce que je veux dire. Nous sommes venus à Didalal et nous sommes venus à Didalal. Nous savons que nous avons fait ce que nous avons fait dans le combat. Nous sommes à notre bord, nous avons fait le combat. Nous sommes venus. Je vais vous dire tout à l'heure, Cheikh Tidiane. Je vais vous dire que de toute façon, il faut que vous soyez là. Vous êtes là. C'est un combat individuel. Parce que le Sénégal, c'est vrai qu'on est tous fichés. Mais maintenant, affiché ou pas affiché, je vais me battre. Je vais aller au Sénégal, je vais aller à l'aéroport Dakar. Macky Sall, je vais aller. On a voté tous. Amon Yakar, je vais aller à Simon. Yakar, qu'est-ce que je vais aller? Et il y a des gens qui ont signé. Moi, je ne sais pas si Sonko, je ne sais pas si Déthié, je ne sais pas si Pire. Parce que je fais un travail collectif. Je ne sais pas si je fais un travail collectif. Parce que nous sommes en train de faire un travail. Nous sommes en train de faire un travail. Je suis en train de faire un travail. Mais dans l'aéroport Dakar, je vais me battre. Je me demande. Campagne, mairie, campagne législative, campagne élection présidentielle.
Quel que soit le futur président, du moment qu'il est issu de l'opposition, je sais que nous ferons le travail qu'il faut. Et c'est ça le plus important. Donc que ça soit au fond de son groupe ou vous, c'est pas très important, bien qu'on souhaite que ça soit au fond de son corps. Et bon, il met cette délégation, monsieur Youm, avec l'honorable député Barreguen, avec Yenen Nathan, le député. Donc, moi, dans ma intervention, je manque pour accepter un point, monsieur le candidat, pour bien ramener. En fait, la diaspora, en fait, nous, une préoccupation en tant que candidat, moi, comment vous allez vous débrouiller pour une fois, vous n'avez pas été réuni, vous faire d'abord. De manière inclusive, liée de la diaspora. Parce que la diaspora a plus besoin d'être impliquée que d'être assistée. Parce que moi qui vous parle, je suis chef d'entreprise à Bordeaux. Je ne suis pas venu en France pour les études. Je suis venu sous prétexte de faire des études parce que j'ai eu une maîtrise en droit à l'université de Dakar. Et au bout de 2 ans en recherche d'emploi, au moins liée, je me suis prêt pour gagner le Sénégal. Donc, quand je suis arrivé à Bordeaux, ça fait 12 ans que j'y suis. Si je vous dis que je suis là pour mon plaisir, je suis sénégalais, je suis là pour mon plaisir. C'est parce qu'on a fui une certaine misère au Sénégal. On est venu se battre pour asseoir ce qu'on peut appeler une réussite matérielle, hein, parce que cette réussite, elle est que matérielle. Parce que quand on voyage pour 2 choses, soit pour découvrir, soit pour apprendre. Lolu moy tax ni dituki donc ñun ñu fi ëpp dañu ñëw pour jang ñi ñëw pour wul ci xam xam ñi ñëw pour wul ci kom mais bo amna lo xamni boko amé li ngay bëgg moy ñi sëré man quand j'ai monté ma boîte j'ai une entreprise dans le recrutement médical je mets à disposition des hôpitaux de France du personnel et je passe par les appels d'offres publics je me bats pour me faire ma place. Aujourd'hui, je me suis dit, je crée de l'emploi au Sénégal. J'ai fait le système des centres d'appel. Donc j'ai une vingtaine de postes à Cité de Gori et tout mon cœur de métier est à Dakar. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut que nos dirigeants nous donnent les possibilités et les opportunités d'investir dans notre pays ou dans nos pays, d'aider nos compatriotes à préparer le retour s'ils sont venus pour les études ou s'ils sont venus chercher bonne fortune, comme on dit. Wegila, nous voyons comment on peut faire pour mettre les mécanismes nécessaires à ce que quel d'autre nous sommes dans ce Sénégal n'a rien gagné. Donc l'autre nous sommes et on vous exemple, franchement, je vais t'appeler si nous dans le Sénégal, nous voyons comment on peut faire pour leur offrir des alternatives à ce que nous top Sénégal, Djangu Sénégal, amuser les diplômes Sénégal, réussir Sénégal. Donc sans pour autant monopoliser la parole, l'on a besoin de la. Donc, j'en profite pour vous inviter à notre meeting, parce qu'on organise un meeting le 18 novembre. Évidemment, nous sommes dans le New Year, parce que dans le New Year. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que je veux dire aux Sénégalais, qui peut être basé. Promesse électorale. Ce que nous disons Sénégalais, c'est un projet de société qui a été créé. C'est ce que nous faisons. Nous devons recueillir ces points de vue. Donc, Inch'Allah, dans 90 jours, nous avons un conseil de l'UBES qui a le mode de désignation de l'UBES. Parce que nous faisons, par exemple, le représentant réunis, amoun ci mom accès wax na mako ku nek amoun ci mom accès buñ ko bëgge gis buñ ko gis buñ amé problème kenn duñu taxaw donc yoyu je peux vous assurer et je prends l'engagement ici devant cette assistance que buñu yalla joxé bokku réew seen safara yoyu gañu ko dina seen propre jangare yoyu gañu ko safara inshallah ki engagé ki diplomatie waxuma rek consul mais notre diplomatie. Il y a parce que ma diplomatie, une relation internationale, si nous voulons, il y a un rôle. Mais le rôle
C'est le contrat de performance de Bohamni. Man, en tant que président de la République du Sénégal, il a signé avec nos ambassadeurs et nos consuls. On prendra les sanctions qu'il faut. Parce que l'Union, moi, Sénégalais, a tout mené qui bite. Qui n'est qui bite, ça fait une grande ouara mené tahou. Parce que beaucoup d'autres tout mourant. Mon but, c'est de voir mené tahou. Donc, l'or, Inch'Allah, qui va même dans le Sahel Kilo, qui est venu au Sénégal, 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 sur nos camarades passés. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Notre objectif, c'est ça. Notre objectif, c'est de rendre les Sénégalais fiers de partir, quand ils veulent partir. Mais fiers de rester là où ils sont, mais aussi fiers de rentrer au Sénégal. Avec accompagnement, avec l'une de nos moyens sénégalais, nous qui avons des centres qui s'ouvrent, vous devez être Sénégalais. Mais pas de marché. Il y a un Sénégalais pratiquement qui a une part. Il y a une compagnie qui a été en Sénégal, nous pouvons faire des centres qui sont sous votre autorité. Nous, pour nous, société, compagnie, on veut que les Sénégalais disent qu'ils sont bons. Les Sénégalais, depuis qu'ils n'aient pas, nous savons qu'ils sont bons pour moi, mais pas les étrangers. Nous, évidemment, on est un pays ouvert à l'étranger. On est un pays qui fait la promotion du partenariat international. On le fera. Mais d'abord, nos concitoyens, nos compatriotes, qui veulent investir, qu'on les accompagne à investir au pays. Donc, mais même pas au Sénégal. Nous avons la zone économique de libre-échange africaine, la ZLECA. Il faut voir le marché africain. Et nous, ce qu'on veut, c'est de créer les conditions pour que les Sénégalais, les mecs à Bordeaux, veulent investir au Zimbabwe, nous accompagner pour nous donner au Zimbabwe investir. On veut avec le Sénégal. Mais pas les gars. Notre objectif est de créer des plateformes d'excellence. Dans les 5 prochaines années, nous allons faire le classement des universités du monde, que le Sénégal n'est qu'au moins dans le top 10 des grandes universités. Ils sont là pour nous tarder. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous, pour nous, pour connaissance, à l'heure du digital et du numérique. Mais nous sommes là pour le Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut? Nous accompagner les oubliés. Donc, je pense que c'est un point extrêmement important. La diaspora n'a pas besoin d'être accompagnée, et je suis à 200% d'accord avec toi. La diaspora a besoin d'être impliquée, a besoin d'être un acteur dans nos processus de développement et d'investissement. Parce que c'est un secteur privé important. La diaspora, apparemment, au niveau des statistiques, moi, c'est presque 100 milliards de francs CFA par an. Unionner, mais l'autre, il y a des problèmes humains. Donc, diaspora, il va créer, Inch'Allah, il va liguer avec nous. On va faire venir des investisseurs sénégalais qui vivent à l'étranger pour investir au pays, créer un emploi, travailler. D'autres nous sortent pour beaucoup de gardes. Nous venons de l'Espagne. Voilà, je viens de faire. Et l'autre, nous investir, créer des conditions pour que nous nous réunions à Mouridjou. Donc, je aussi sur nos photographes, qui nous ramènent de poser des questions pertinentes. Qui problème de culture, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si je suis en Paris aussi. Je suis en train de faire un centre culturel sénégalais. Mais vous n'êtes pas un centre culturel français. Dans nos pays, et je disais ce matin, centre culturel français, ni peut jouer sur nos enfants. Si nous appuyons sur nos jours. Hein? Mais Bordeaux a un centre culturel sénégalais. Paris a un peu. Mais pourquoi nous, de nous top minières, nous nous imposons nous mêmes. Si nous culture, nous avons une riche culture, nous avons une culture qui est au toit. Nous avons la même pays. Il faut être africain. 90% des objets d'art. Mais il faut que si nous culture nous respecte. Et on a fait un Paris sur les langues nationales. Nous nous conceptualisons développement à connaissance si on réfléchit et si on pense avec la langue d'autre. Nous sommes tous les pays qui se sont développés. Vous avez un pays qui est développé. Vous avez développé avec la langue d'autre.
Amour, ça n'existe pas dans le monde. Et je l'ai dit l'autre jour à Paris. Vous venez de l'Éthiopie. Moi, j'étais 6 ans en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est le pays où le taux de croissance avoisine 8% chaque année. C'est un pays qui se développe d'une manière vertigineuse. Ils parlent leur langue. Amérique le niwa. Rwanda. Même Rwanda, aujourd'hui, ils parlent anglais, mais ils sont en train de codifier le Kenya-Rwanda. Ils parlent, ils écrivent le Kenya-Rwanda. Vous venez de la Chine, il y a 20 ans, il y avait de la famine en Chine. Il y avait des problèmes en Chine. Mais aujourd'hui, la Chine, c'est la plus grande puissance au monde. Donc, nous devons développer, et je suis tout à fait d'accord avec Kiligawa, nous devons développer la mathématique. Qui langue jambe, lo xamné buñ la ko waxé xamou sax lu muy tek. Donc il faut que nous transcrivions suñu langue, suñu xalé, suñu doom yi mën ci bind, mën ci conceptualiser connaissance. Parce que lolu rek moy tax ñu mucc. Lolu c'est extrêmement important. Donc yoyu je pense que ay point yu am solo la. Suñu programme am na une bonne dimension sur les questions de culture. Inch'Allah dañ ci gëna course, gën ci waxtaan. Donc je remercie ñep. Voilà. Et puis surtout, nous disons que nous sommes venus à Bélévi, nous sommes venus à Paris aussi, rencontrer notre Sénégalais, nous sommes venus à Tahaou, de Tchotani, comme nous, l'idée de la diaspora à travers un groupe de médias. Lorsque nous avons un sort, nous les encourager. C'est une manière de contribuer dans l'effort de développement de notre pays. Parce que la communication, moi, nous sommes tous solo qui développement au réel. De communication, vous ne connaissez pas. Moi, quel doit vous ramener les gens. Il y a des filles, des ligues, nous tous aïe, mal qui encourager. Des encourager aussi, c'est les gars, ils ne ramènent rien derrière nous. Des mots à Paris, nous relayer, des fois nous interview, relayer pour partout dans le monde. T'as dit le petit qui est très difficile de relayer. Donc, du remettre, du encourager, initiative, c'est les gars, ils font nous mener les qui a donné. Gâtez également la diaspora. Gâtez également. Si vous voulez vidéoconférence. Nous continuons de dialoguer. Ben nous avons des préoccupations dans les communautés en charge, dire qu'on compte dans le projet et puis nous partager avec le Sénégal. Nous nous les voir fi, de quoi faire que nous, le mananeker, de quoi faire que nous nous gommes parce que nous, qui nous disent, nous sommes voir loin. Nous d'accord sur nous, beaucoup sénégalais, ils nous disent que nous les voir loin, nous sommes venus. Les plus nous voir. C'est un engagement que vous avez fait. Inch'Allah, vous nous avez appelé, mais nous ne pouvons pas encore. L'ignorer, nous ne pouvons pas encore. Nous ne pouvons pas encore. Inch'Allah. Je vais te faire une expression, hein.